Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo commentée de ma séance de squat du 7 novembre. Alors, on est à la semaine 3 de mon cycle de squat avec bande genou. Donc les bandes genoux, je rappelle, c'est un équipement en force athlétique utilisé pour... Enfin, certains disent que c'est pour protéger le genou. Moi, je pense honnêtement que c'est pour rajouter du poids, comme un maillot ou un slingshot, à moindre mesure. Donc le but, manipuler des charges que je ne pourrais pas manipuler sans. Et au terme de ce cycle, j'aimerais bien aller, on va dire, squatter 270, 272,5 kg, voire 280 si vraiment j'arrive à me servir à 100% des bancs de genoux, comme les plus grands squatteurs du monde y arrivent. Donc en moyenne, un très bon squatteur avec une très bonne technique au banc, il pourra en tirer 50 kilos, 40 à 50 kilos. Moi, c'est pas du tout le cas. Donc, voilà. Donc là, je vous filme ma montée en gamme. Je commence toujours par un petit échauffement, mobilité, tout ça. Ensuite, je commence barre à vide et j'augmente de 20 en 20 jusqu'à 220 kilos. À partir de 220 kilos, j'avise de comment ma montée va se faire selon ma dernière barre de chauffe. Donc là, vous allez voir que 220 kilos, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai décidé d'aller directement pour 240 kilos, qui était donc le poids prévu de toute façon. J'ai pas fait de 220, 230, 240. Je me suis dit, allez, 220, on va aller à 240 direct. Je vais pas gaspiller mon énergie. Et voilà. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je vous laisse profiter de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve une prochaine fois. Merci à tous.
Alors, si la vidéo vous a plu, mes commentaires aussi, enfin bref, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager vos vidéos, enfin partager mes vidéos, laisser des commentaires aussi sur ce que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à liker la page de ma chaîne en collaboration avec Raoul, RR Strength. Et voilà, j'ai mis la page Facebook et où me suivre sur Instagram. Merci à tous, à la prochaine.